Hey, coucou tout le monde, c'est Clémentine. C'est génial, hein? Je voulais faire du violon, j'étais en train de l'accorder, enfin essayer de l'accorder. Et non, en fait, c'est une alchimie qu'il faut faire. Il faut, entre guillemets, hein. Mais bon, je suis un peu contrariée, hein? C'est dur, dur d'être une petite fée, hein? Je peux vous le dire. Ouais, hein. C'est pas juste des tours de magie par-ci, par-là, ta-ta-ta, c'est la fête, hein. Non, 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 non. Ah là là, punaise, il y a des lois bien précises. Ah ouais. Bon, alors c'est parti, on va faire ça ensemble, hein. Enfin, je vais vous partager un petit peu. Ouais, bon. Déjà, recentrage, hein. Parce que c'est pas ça, de faire des tours de magie, mais ça demande beaucoup intérieurement, hein. Alors, contrariété, au revoir. Voilà, alors, on va respirer. Et on lâche. Voilà. On inspire. Et on lâche. Bon, allez, c'est parti. Ah.
Petite parenthèse, hein, pour ceux qui connaissent un peu les énergies, vous savez que c'est le Beans en ce moment. Hein, ça a toujours été un peu plus ou moins le Beans, mais on va dire que c'est particulier en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite plein de courage, parce que c'est vraiment pas évident. On est tous tournés côté un peu de l'intérieur, que ça soit conscient ou inconscient. En tout cas, prenez soin de vous. C'est-à-dire, c'est facile de dire prendre soin de soi, mais à mon sens, prendre soin, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est pas juste tendre l'oreille ou les deux oreilles ou non, c'est pas ça. Être à l'écoute, c'est investir tout son corps, toute son âme, tout son être, en fait, tous les plans. On a plein de plans de conscience. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, quand on dit le corps, on pense tout de suite au physique. Quand on dit ah bah votre corps, tout de suite les gens pensent physique. Bah oui, là c'est mon corps, matière, youpi. Sauf qu'en fait, on dit le corps physique parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul corps, il y en a plusieurs. Ils sont très nombreux les corps. On a plein de plans. La conscience, c'est juste immense, c'est grandiose, c'est juste inconcevable, inconcevable pour nous. Donc, déjà, prendre soin de son corps physique, mais après, essayer de prendre soin de tous ses autres corps à travers les chakras, par exemple. C'est ce qui est le plus connu. Donc, je vous invite à vous pencher sur les chakras, parce que c'est vraiment intéressant et ça donne beaucoup de détails sur tout, enfin, sur les mondes subtils, sur les mondes qui vous appartiennent aussi, parce que si votre être est fait de tous ces chakras, de tous ces plans de conscience, c'est pas pour rien en fait, c'est que vous êtes invité quand même à faire coucou, vous êtes invité à vous connaître un petit peu plus en fait, parce que vous croyez tous vous connaître, vous croyez tous connaître les uns les autres. Des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, mais oui, je le connais !» Mais en fait, vous connaissez rien du tout de cette personne et vous ne vous connaissez même pas vous-même. Voilà. Donc, voilà, c'était des infos pour une petite parenthèse. On va continuer l'alchimie. Ah,
Alors, une autre petite parenthèse. Tout le monde appelle les anges. Tout le monde appelle au miracle. Tout le monde appelle à l'aide. Et lorsque vous avez cet être, cet être, cette aide, ce que vous avez appelé qui arrive devant vous, vous ne le reconnaissez pas. Ou quand vous le reconnaissez, vous le rejetez. Que ce soit l'un ou l'autre, vous pouvez rejeter. Vous rejetez toujours. C'est tellement facile d'être méchant. Vraiment trop facile. Donc si vous vous croyez fort, ayez un peu de jugeote, réfléchissez. Essayez d'agrandir votre réflexion. Qu'est-ce que c'est la réflexion au final? Qu'est-ce que c'est réfléchir? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est réfléchir? Réfléchir et ressentir. Ressentir, ouais. Ressentir, c'est pas juste pour les guignols. Ressentir, c'est pas juste pour les tarés. Ressentir, c'est pas juste pour les dégénérés. Ressentir, ça fait partie de nous tous, que vous le vouliez ou non, en fait. Même si vous rejetez, que vous êtes dans le déni, vous avez quand même du ressenti. Juste camouflé, caché. Et peut-être que vous avez peur de ce guignol, de ce dégénéré qui est en vous.
Alors vous crachez sur les autres. Vous crachez sur cette aide que vous avez tant demandée. Et après vous dites que ça n'est pas venu. Qu'on ne vous a pas entendu. C'est tellement plus facile de dire ça. C'est tellement plus facile. C'est une sorte de rejet. Encore. Et on est appelés tous à être dans la communion. Communion égale acceptation. Et l'acceptation n'a pas de rejet. Ça n'existe pas. Quand on a la conscience d'acceptation, parce que l'acceptation, c'est pas juste dire, allez, je suis dans l'acceptation. Non. L'acceptation, c'est un état de conscience. Un plan de conscience. Communion. Acceptation. Donc pas de rejet, ça n'existe plus le rejet. Le rejet fait partie du plan de conscience, de la dualité, du toi, du moi, du séparé. Alors oui, on en a besoin pour parler, on a besoin d'un vocabulaire pour se faire comprendre ou essayer de lancer une idée. Parce que vocabulaire, on ne se fait pas toujours comprendre, mais en tout cas, à travers les mots, essayer de lancer des idées. Mais quand il y a derrière ce qu'on raconte de la division, ça crée du malheur en fait. Et tel pays. Et puis si, ou et moins ça, ou et puis ah, t'as vu comme un. Et, enfin voilà, tous les jugements qui existent, les jugements, dualité, rejet. Et on est amené à la communion. La communion, qu'est-ce que c'est la communion? Pareil, réfléchir. On est amené à réfléchir sur la communion. La vraie réflexion. La réflexion qui est avec le cœur. Avec le ressenti. L'équilibre, l'harmonie. Ah, on rêve tous, l'air de rien, même les plus méchants rêvent d'équilibre et d'harmonie au fond d'eux. Mais ils font pas les efforts intérieurs pour. C'est plus facile d'être méchant. Bah oui, c'est super facile d'être méchant. Enfin, facile entre guillemets, parce qu'ils se font du mal à eux-mêmes aussi, hein. Ils font du mal autour, mais ils font du mal, ils se font du mal à eux-mêmes. Donc la communion, c'est le je t'aime. Oui, toi qui es derrière là, qui me vois, je t'aime. Peu importe, même si je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas à quoi tu ressembles, je t'aime. Parce qu'en fait, toi c'est moi, moi c'est toi. Et peut-être que ce que tu n'aimes pas en moi, c'est peut-être une part que tu n'aimes pas en toi. Peut-être que tu aimes, que tu adores chez moi, c'est peut-être quelque chose que tu ne vois pas en toi, mais que tu as déjà.
plein de bonheur à tous. Plein. Rempli de quoi? C'est ça. De quoi vous êtes rempli? De quoi vous vous remplissez chaque jour? Et si on était plein de communion? Si on était plein d'acceptation? Alors l'acceptation, c'est pas dire oui à tout. Il y a des choses physiques, sur le plan physique, si par exemple c'est un danger pour vous, là, enfin, voilà. Et il y a le discernement aussi, le discernement. C'est hyper important dans tous les sujets, dans toutes les disciplines. Si vous n'avez pas de discernement, c'est la cata. Discernement, c'est mettre la clarté sur les choses, la justesse sur les choses. Cas par cas. Cas par cas. Il y a des règles, il y a des trucs, il y a des machins. Cas par cas. Pas faire à la tête non plus. Ça, c'est pas du discernement, faire à la tête. Non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Et surtout que vous preniez le meilleur. Que quand il se présente à vous, vous le reconnaissiez. Et l'acceptiez. Et le recevez, que vous le receviez. Bon, ben, je vous fais plein de bisous. Sachez que c'est une secousse pour moi aussi, hein. C'est une secousse pour nous tous. Pour nous tous, peu importe le niveau où nous en sommes. Ah voilà, le niveau, oui, c'est pas petit clin d'œil par rapport au rejet de tout à l'heure. Ah oui, par rapport à ce dont on a parlé sur le rejet tout à l'heure, le niveau ni moi, nanana. Au revoir, à bientôt.